Bien bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Urbex. C'est malaisant. C'est vraiment mauvais. Deuxième Urbex en deux jours, trois jours. C'est une maison que je suis venu dans un de mes scooter vlogs en avril, pour ceux qui s'en souviennent, c'est-à-dire sûrement personne, même un arbre qui est tombé sur la maison. Ici, ça devait être un enclos de cochons, je sais pas quoi. Un enclos de quelque chose. Pas très passionnant. Ici, il devait avoir des fenêtres, genre. Check. Malheureusement, on est encore sur le bord d'une route très passante. Donc, le 10 juin. Ici, il y a des petits bums qui sont venus mettre de la cochonnerie parce que tout défoncé partout. Il y a des graffitis. Ah, aussi, on le voit là sur Google Maps. Là. On la voit en 2009, là, 2012 puis 2016. Là. Même en 2009, on voyait déjà que c'était abandonné. Donc, lui, ce genre-là qui est l'endroit mort. J'ai oublié de le préciser, mais comme dans ma dernière vidéo, je suis accompagné de le gros Philippe du 75 qui est ici et de François le podcasteur qui se trouve à ma droite. Oh! Y a-tu un escalier pour monter ou juste? Je pense qu'on pourrait aller en haut, faire comme ça. Bang, bang, bang! Tu peux y aller, c'est ça. Les escaliers sont là. Là, mais. Ouais, je suis face à ça. Dead body. Dead body. Avec une flèche? Avec une flèche? Tu peux aller en haut. Avec une flèche. En haut. C'est pas drôle. Plus de lumière. Ça regarde manger. Je te dis, on revoit la bouffe. Non, mais c'est des squatteurs, c'est ça. C'est un amateur de Perrier, celui-là. Malheureusement, l'étage n'a pas l'air assez solide, donc... N'est pas assez solide, donc nous n'irons pas. Donc là, c'est la cale. Là, on est dans la cave. C'est humide, là. Dehors, il fait genre 35 degrés, puis ici, il doit faire 20. C'est quoi? C'est quoi, c'est un truc de bateau? C'est très maladroit. Vieux maïs. Oh my god, il fait chaud. Tant qu'à être là en bas, on pourrait aller voir le dead body. Mais. Essaye de mettre le moins de poids sur les barres, genre tu tiens après ça. Là, je suis au bout de mon bras, la caméra. Je me tiens après des trucs. Moi, je vais pas là. Il y a même un grenier. Il y a une autre salle là-bas. En fait, on voit tout de suite que c'est vraiment une très très vieille maison. Parce qu'il y a rien un peu, il y a rien qu'un peu de tapisserie qui reste. C'est vide, puis tout défoncé. Ça doit faire... Hey, François, d'après toi, ça fait combien de temps que c'est abandonné, ça? T'es-tu là, François? D'après moi, ça fait dévorer par le rake. C'est encore de tapisserie bien dégueulasse. Puis ici, il y a la fenêtre dehors, là. Parce qu'il est juste à texter. Là. On pensait que tu nous attendais pour nous faire peur. Marie est. Trois petits points. Avec une flèche en dessous. Il y a
C'est une salle. SW. Ça, c'est vraiment épousé. On fait comme si c'était un corps dans mon sac. C'est des connards qui font ça. Ah ouais, puis finalement, on est allé en bas puis en haut, ça a bien l'air. L'intrigue nous chatouillait la cervelle. Il y avait une sonnette. Ça, c'est de l'extérieur. Il y a même déjà eu de l'électricité. Juste en face, il y a une ferme que je sais pas si elle est abandonnée, mais elle n'a pas l'air bien entretenue. Check la ferme, là-bas. Donc c'était vraiment nice comme urbex, mais personnellement, François puis moi, on trouve que l'urbex le plus cool qu'on a fait. L'urbex le plus nice qu'on a fait, c'est la deuxième maison de l'urbex numéro quoi? L'urbex, quand on est allé voir deux maisons abandonnées, bien, la deuxième maison, c'était cette maison-là qu'on a préférée parce qu'il y avait beaucoup de choses, puis c'était nice. Là, la maison était belle, mais... Elle était vraiment vide, puis... C'était dangereux, moi j'avais comme un peu... C'était un peu... Ça les faisait structures étaient endommagées. Ouais, fait qu'on a moins apprécié, mais c'était quand même vraiment nice. On s'est pas fait pogner par des vieux croutons rageux ou des poteux ou des n'importe quel type de bombe ou de personnes non désirables. Le Rake, le Slenderman, toutes ces personnes qu'on a désiré pas rencontrer. Puis c'est ça, je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Bye.